Bonjour mes petits amis de YouTube et bienvenue dans un nouvel épisode de Hearthstone. Donc aujourd'hui un duel avec les viewers, donc avec Drinko. Bonjour Drinko. Salut tout le monde. Donc on va partir. Hein. Alors je rappelle mon battle tag pour ceux qui veulent me défier, hein. C'est Tikem 2450. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont rajouté, ça fait plaisir. Et on va se faire un petit duel. Donc tu me disais que tu avais un bon petit deck opti. Bah écoute, moi je vais te laisser le choix. Tu me donnes un chiffre entre 1 et 8? Donc le 1 est là, le 8 est là, on va voir. N'importe, hein, c'est toi qui décides. Ah non, Juste c'est... pour info, je joue paladin, donc essaie de trouver le contre. Ah mais moi je continue à faire... Tu sais, le but de l'émission, si tu veux, duel avec les viewers, c'est que justement il y a une partie de hasard aussi. Donc si je Bah, prends prends un le 4 anti-deck alors. paladin, un Prends le 2... 4. Allez, ça doit faire celui-là normalement. Donc c'est une de mes versions rogue. Donc on va le jouer en 3 manches gagnantes, enfin en 3 points gagnants. Hein. Non, en 2 points gagnants, pardon. Donc 3 matchs au maximum. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est un des decks rogue. Ouais, je sais plus. J'ai fait tellement de versions des decks rogue qu'au final, j'en ai un bon petit paquet. Alors comme ça tu joues Paladin. Bah écoute. Ouais, depuis la troisième saison Paladin. Bon, moi je vais faire un classique. Hein. Un défiasse classique, quoi. Ouais, bah voilà. Mais tu sais que j'hésite à les enlever les défias hein, dans mon deck. Bon, après, c'est pas mal contre certains decks, mais contre par exemple les decks mages, c'est pas top, quoi. C'est ça. Et puis en plus, tu gaspilles. Enfin, entre guillemets, tu gaspilles la pièce pour avoir deux créatures, quoi. C'est pas. C'est pas gaspillé, t'as deux créatures au tour 1, c'est franchement pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais si tu veux le. Enfin, faut le sortir quoi. Le nombre de fois où je vide ma main parce que je suis deuxième joueur pour espérer avoir le défias qu'au final je l'ai pas et que ça me fout dedans. Ah, c'est pas faux, ouais. Après, faut avoir du bol dans le tirage, quoi. C'est un jeu de chance, hein. Oui, mais justement, le but du joueur de cartes, enfin pour moi, c'est de faire en sorte d'avoir le moins de parts avec la chance quoi. C'est pour ça qu'il faut mettre deux défaites dans le deck. Pour Oui, avoir deux fois bah. plus de chances de l'avoir, quoi. Deux, ça c'est sûr, mais. Après, il faut, comme tu dis, il faut avoir un minimum de chance pour réussir à le choper. Puis bon, les decks paladins, tu vas te remettre 30 points de vie ou 40 points de vie. Je me doute que ça va être dur à tuer, quoi. Surtout pour un deck rush comme ça. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Enfin voilà, t'es quoi? T'es français? T'es suisse? Moi, je suis T'es français. français? Parce que bon, faut que je mette un peu d'animation, tu vois, pour les viewers, parce que c'est Ah, vrai bien sûr, qu'on... ouais, bien sûr. Mais après, tu réfléchis, je te laisse réfléchir pendant ton tour, quoi. Oui, bah disons que je peux... Ce qui est gênant, tu vois, parce que j'ai l'habitude quand je filme de pouvoir... comment dire? De pouvoir dire ce que je suis en train de faire, quoi. Ah, c'est pas faux. Et là, du Ah, coup... c'est pour ça que contre les viewers, c'est pas mal aussi d'avoir un genre de mumble ou team stick ou pour avoir quand tu veux parler à l'adversaire, tu mets le push to talk et bah, autrement tu parles qu'à tes viewers, quoi, c'est pas mal comme ça. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah après, c'est pas... Comment dire? C'est pas gênant non plus, hein, dans Oh, c'est vrai, l'absolu. c'est pas gênant, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir expliquer ce que tu fais aux autres, quoi. Bah ouais, voilà. Mais bon, le but de duel entre les viewers, c'est de rencontrer un peu mes viewers aussi. C'est pas forcément gagner ou perdre, je m'en fous à la limite. C'est rencontrer mes viewers, faire plaisir à mes viewers, parce que, enfin, en tout cas, la plupart quand je joue avec moi, tu vois, ça leur fait plaisir, de jouer avec moi. Donc ça c'est plutôt sympa tu vois. Moi, Et mais après, moi, tu vois, je te connais depuis pas. Ah! C'est un peu bête que tu l'aies gâché sur ça, on va dire. ah bah après si t'es un Tyrion ou quoi j'en sais rien mais bon. T'es obligé de Ah, faire au tour par tour hein. pour l'instant, elles sont pas encore sorties, ça me fait un peu chier. Ah bah comme tu disais c'est un jeu de chance aussi hein, il faut... Faut avoir de la chance quand même. Ouais, c'est vrai.
Mais bon, là, j'ai une très bonne main, on va dire. Bon, bah Très très écoute. bonne main. Eh ben, on va voir ce que ça donne, hein. De toute façon, au moment. Après, je sais très bien que je suis pas l'un des meilleurs joueurs, tu vois, sinon je serais légendaire facilement. Bah, légendaire, c'est toujours dur d'y arriver, donc. Bah, légendaire, le truc c'est que le nouveau système, franchement, moi je l'aime pas du tout. Oh là. Je l'aime pas du tout, je sais pas si t'as fait gaffe. Avec le système d'étoiles qui a changé. Oh, moi j'aime beaucoup mieux que l'autre, puisqu'en fait l'autre il était buggé. Il était bugué? Comment ça, hein? Je suis pas au courant. Mais tu sais, quand tu pouvais monter jusqu'à Master 3, Ouais. bah après tu pouvais plus monter. Parce que tu Ah pouvais oui! plus redescendre. Hein, tu pouvais plus redescendre. T'étais Master 3, tu pouvais plus redescendre du tout. Oui, non, non, moi je parle du. Par rapport au deuxième. C'est par rapport aux séries de victoires en fait que je trouve ça un peu dommage. Parce que maintenant les séries de victoires, tu les as à partir de la troisième victoire au lieu de les avoir à partir de la deuxième victoire. C'est ça que je trouve Et ça, dommage. c'est pas très très dérangeant, ça, si on peut dire. Bah le problème c'est que par exemple, bon, je te prends mon exemple, hein. Tu fais deux victoires, une défaite, deux victoires, une défaite. Parce que t'as un deck justement qui est super optimisé. Contre un type de personne, on va dire. Et du coup, tu te retrouves dedans parce que, bah voilà quoi. Ouais, tu stagnes, quoi. Voilà, c'est ça. Tu montes pas, tu descends pas. Après, faut se dire qu'à partir de là, c'est là combien? À partir du rang 5, je sais qu'il y a Durant plus 5, tu d'étoiles. gagnes plus d'étoiles, tu perds plus des. Ouais, t'as plus de Ouais. série bonus. Ah, je sais, mais tu vois, au moins arriver rang 5, ça aurait été déjà pas mal. Là, je suis arrivé. Bon, enfin, je vais pas le dire parce que ça va spoiler sinon les vidéos qui sont Ah, pas bien sûr, sorties. oui, bien sûr. Mais bon, on va dire que je suis arrivé haut et après je me suis refait casser la figure méchamment, tu vois. Et là, actuellement, je suis à un rang, c'est pitoyable, quoi. Enfin, Ah, t'es pitoyable. rang 15, à ce que j'ai Ouais, vu. voilà. Donc, t'as vu, je suis bien descendu, quoi, on va dire. Je sais J'étais pas, ta monté dernière beaucoup plus haut. vidéo d'aujourd'hui, t'étais rang 20. 20, je crois. Ouais, c'est ça. J'étais rang 20 et là. Ouais, mais comme je suis obligé de tourner les vidéos en avance, comme j'en mets tous les jours, j'en ai C'est pas quelques-unes faux, oui. d'avance. C'est pas faux. Et c'est vrai que là. On va dire que bon, je l'ai senti passer, on va dire la série de. Mais je sais pas, il y a tout le monde. Hein, ça a duré quoi? 2 jours? Où tout le monde jouait Super Rush fast aggro. Que des hunts qui tuent au tour 5 ou que Les hunts qui des. sont chiants, quoi. C'était comme les Murlocs il y a un temps, quoi. Ouais, mais c'est. Là, tu vois, pendant une soirée, j'ai rencontré que des Murlocs et des Fast Hunt. Donc tu peux rien faire. Avec un deck qui est C'est fait pas pour faux, ouais. arriver en milieu de game, machin. Alors ils sont contents, tu vois, ils arrivent vite à un haut niveau, mais ces mecs-là en plus ils vont se faire défoncer par la suite, quoi. Mais bon. Alors, Wow. c'est pas très bien tombé. Ah, je sais pas là, moi je. Il est en train de se faire là le sort. Bon, enfin, pas très bien tombé, tu m'as quand même bien vidé la table. Ouais, mais j'aurais pu te vider la 2-1 qui restait. Ah, il a. Après. On peut toujours faire mieux aussi, hein. Après, souvent, ce deck tombe jusqu'à l'épuisement, donc. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix ici. Bah après, mon deck rogue, il est fait celui-là en tout cas, il est pas vraiment fait pour le endgame. Donc, du coup, dès qu'on arrive au milieu fin de début de fin de game, je commence à m'essouffler. Tu survis encore 3, allez, 2-3 tours, à mon avis, je suis mort. Ah, j'ai ce qu'il faut dans la main pour survivre. A raison de plus. Eh merde, j'ai mal joué. Bon, je vais récupérer une 3-3, sinon tu t'aurais pris 5 patates, quoi. Ah, mais là, ça fait 3 patates en plus, donc j'ai mal joué. J'avoue que potentiellement t'as mal joué. J'aurais pu faire mieux, quoi. Ouais, non, mais en toute honnêteté, ça aurait rien changé. Ça aurait rien Après, changé. je connais pas tes cartes, hein, donc. Ça fait 10 plus 3 et 4. Ça fait que je survis encore. Hein? Sauf Pourquoi? si t'as un truc en plus, un poison ou je sais pas quoi. Ah non, j'ai mal compté. Mais GG.
Ouais, écoute. J'aurais dû C'était mettre tendu, mon c'était heal. tendu. J'aurais dû mettre mon heal. Bah, t'aurais mis ton heal, tu t'aurais pris 5 patates en plus, mais j'avais une créature charge dans la main, donc de toute façon, je te tuais. Et puis j'aurais pas pu tuer Sylvanas de toute façon. Bah, revanche avec un autre deck. Hein. Je sais que Ouais. tu les aimes pas ceux-là. Allez, dis-moi entre. Donc, toujours pareil, entre 1 et 8, et tu redis pas le 4, que du coup, pour pas retomber Bah, sur un les mêmes. alors. 1, allez, ça va. C'est un deck qui est en test, hein, par contre, je préviens. On va voir ce que ça donne. Je sais que celui-là tu l'aimes pas donc. Je sais que t'aimes pas cette classe. Ah, bah j'aime pas cette classe parce qu'elle était cheatée à une époque. Maintenant, elle me fait limite de la peine en fait. Parce qu'ils l'ont tellement nerfé que. Ouais, elles ont vraiment beaucoup nerf, mais après c'est une version bien modifiée, c'est pas comme avant quoi, c'est pas. Oui, voilà, t'es obligé de le jouer différemment. Donc, ce qu'ils ont voulu faire et là où ils ont réussi, c'est qu'au final, ils ont pas. Tu joues plus. Enfin, tous les mages ne sont pas pareils quoi. Parce qu'il y a passé une époque, tous les mages étaient pareils quoi. Mais il y a beaucoup de mages maintenant qui ont que qui font aggro, qui sont aggro et pas trop de sorts. Ouais. Mais bon, à mon avis, de toute façon, le problème du tour mage tour 2, c'est que tu peux directement me sortir la 1-3, voilà, la pièce et les deux boucliers 0-2. Ça sert à rien puisque tu peux balancer un éclair direct donc ça ferait casse-pied des cartes. Ça dépend comment on le voit. Parce que t'as un éclair tour 1, après t'en surcharge bien sûr, mais après ça sert à rien gaspiller des cartes pour être défoncé au tour 1 quoi. C'est sûr, mais bon. Voilà, comme ça. Oui, mais t'aurais quand même tes deux boucliers 0-2 et t'aurais un mana de plus. Bon, À après, quoi ça c'est. sert actuellement? Ouais, non, c'est une façon de voir, c'est une façon de voir. Moi personnellement, je joue pas mage après. Hein. Bah, je me suis amusé à monter mage niveau 60. Ah oui, quand même. Ah ouais, moi Là, je. le paladin est niveau 50, je suis en train de le monter 60. Ah ouais, non, mais tu joues plus que moi en fait, ça se trouve. Là, je dois avoir 700 victoires, je crois. Ah, je suis un peu plus de victoire, mais je joue. Enfin, mes persos, ils sont niveau 30, quoi. Là, je joue que. J'ai joué mage pendant très longtemps, donc c'est pour ça qu'il est monté 8. Pareil pour le palouf. Les autres classes, je les joue que pour les quêtes, quoi, parce que j'aime pas jouer les autres classes. Ouais, tu joues que mage et palouf en principal. Bah, palouf, mage maintenant c'est que pour les quêtes, quoi. Comme il y a niveau 60, ouais. Ou pour rusher un mec bien marrant. Ah, ça m'énerve, tiens. Oh, bah, je vais le diable, hein. Ah, il est dérangeant celui-là. Je peux avoir 5. Bah, le truc, c'est qu'à mon avis, tu peux le buter, quoi. De toute façon, il suffit que, voilà. Même sans la. Ouais, enfin, je sais pas ce que t'as en main, hein, mais bon. Je savais très bien qu'il avait peu de chances de passer le tour, quoi. Oh, il passe le tour? Ouais, mais ça servait à rien que je le tue tout de suite, vu ce que j'ai dans la main. Bah, écoute. Et comme ça marchera pas. Ouais, mais la surcharge, elle marche quand même. Oui, mais t'auras pas la surcharge au prochain tour. Ah ouais, ah bah tiens, c'est bizarre, c'est un bug ça. Parce que j'aurais dû avoir la surcharge. Non, parce que le sort n'a pas été effectué. Ouais, Il bon s'est bah. fait contrer. Bah tu vois, honnêtement, là tu vois, je savais pas. Je t'avouerais Bah, j'ai que. vu ça sur le forum l'autre coup. Ça me fait un peu chier, quoi. Bah je t'avouerais que là, moi je pensais me choper la surcharge, tu vois, honnêtement. Bah, je pensais que c'était comme ça au début, mais en fait, non. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que je pourrais pas tuer ton dégât des sorts plus 1. Et ça me dérange un peu, à vrai dire. Il y a Captain qui est en train de me parler en plus. Je reçois les encouragements du meumeu. Ah, ça fait plaisir. Tu m'embêtes, toi. Après, ce deck, c'est plus un deck fun avec une légendaire qui a aucun intérêt, on va dire, dans ce deck. Donc, ouf, un maléfice sur ça. Bah ouais, mais j'avais pas d'autre choix. C'est. Voilà, je suis obligé de faire ça, par contre. Ça me fait un peu chier. Une boule de feu pour une 2-4, ça fait un peu chier quand même. Ouais, je te l'accorde. Je te l'accorde, je te l'accorde. Bah écoute, on va faire ça. On va faire ça. Ça va. Ah, tu vas au kill. Bah
après, c'est une façon de jouer dans le sens où je sais très bien que mon totem va crever, tu vois. Donc au final, il me servira plus à rien. Enfin, je fais toujours un dégât de plus. Après, c'est une façon de jouer, hein. J'ai peut-être mal joué aussi, hein. Non, je pense que c'était pas mal. Mais après, j'aime mieux garder ce genre de cartes pour les créatures qui peuvent arriver, quoi. C'est toujours le souci, quoi. Comme par exemple le Drake, si tu peux pas le gérer. Bon, comme t'as top deck Thanos. Ah, écoute, j'aurais eu autre chose, j'aurais fait autre chose peut-être aussi. Ah, pas fou. Ça commence à avoir beaucoup de créatures sur ton terrain, j'aime pas trop ça. Oh, bah, tu vas faire un petit flame strike, t'es tour 8. Ah, le Flame Sac, j'en ai que un dans le deck. Ah. Ça, tu vois, c'est. Ouais, ou un blizzard, hein, c'est pas. Je suis pas Déjà, ça sert à raciste rien, il y en après. a deux qui survivent. Ah, c'est pas faux. Mais bon, au moins je pourrais pas t'attaquer le tour d'après. Quoique ça fait que je piocherai aussi. Mais bon, le Flamestrike, ouais, c'est vraiment le nettoyage de zone, quoi. C'est vraiment. C'est la sale bête, quoi. Une fois que t'as passé le tour 7. Ah, j'aurais pas fait ça, tu vois. Parce que tu me fais piocher quand même. Je pouvais pas gérer la table. Puis ça, c'est un dégât des sorts, donc faut absolument le virer. C'est une façon noire. Ça m'arrange, on va dire. Bon, est-ce que je top deck? Est-ce qu'il y a le top deck qui arrive? Ah, le Flame Strike me ferait énormément mal, j'avoue que Toujours là, pas. c'est la Toujours pas carte de qui te top sauverait, deck. quoi. On va contrôler encore. Ah oui, bah de toute façon, vaut mieux. Hein. Je te le dis honnêtement, vaut mieux. Parce qu'il y a aussi un shaman de type OTK, je sais pas si tu connais. Shaman OTK, honnêtement, ce qui est un peu débile, on va dire, c'est que. Ouais, tant pis. Un chaman, de toute façon, du moment qu'il a la furie sanguinaire dans son deck, il peut t'OTK quoi. Il suffit qu'il ait des créatures sur la table. Ah Ça putain. tombe bien. Je t'avouerai que ça m'emmerde. Ah. J'aurais préféré que ça tombe sur la 4-4. Mais bon. Je peux pas jouer ça pour l'instant, ça me dérange un peu à vrai dire. Voilà, déjà tu fais un joli nettoyage, hein. Ah, c'est pas fini. Oh, oui, non, bah. Je me doute bien. Si t'as joué comme ça. Ah, plus personne. Ça fait très mal, on va dire. Oui, bah écoute. C'était un peu Ah, prévu en toi aussi fait. tu le joues? C'était un peu prévu. Ah, bah avoue que ça fait mal, hein. T'es déjà à 8 points de vie. Rien qu'avec une carte, je viens Moi de te aussi je l'ai. mettre. Ah, c'est bon ça. Ouais, Par mais contre, bon. ça c'est beaucoup moins précis. Ah, oui. Puis bon, honnêtement, les 8 points de dégâts, j'ai franchement pas de cul si t'arrives à me défoncer. Non, mais de toute façon, Ah, ouais, je voilà. pense que c'est la lose au prochain tour. Au tour 6, j'ai lose. Ah, pas encore, tu vois. Je pense pas que je te tue. Alors attends. Ah, si, en fait. Ah, tu peux mettre, t'as que juste 4 points de dégâts à mettre, hein. C'est largement faisable, hein. Tout à fait, hein, mais bon. En fait, depuis tout à l'heure, j'essayais de placer ma furie, mais j'ai pas pu, donc voilà. Bah, j'attendais de poser Maligos plus Pyro et boule de feu juste après, qui t'enlevait 26 PV. Ouais, mais J'ai bon. pas réussi à la placer. Bah écoute, en tout cas, je te remercie pour ces deux petits duels. C'était fort Bah, de rien. sympathique. Et puis, bah, on va dire au revoir aux viewers. Et puis, on va continuer un peu à discuter, bien sûr. Mais on va dire au revoir aux viewers. Et puis voilà quoi. Bah écoute, je te félicite en tout cas. T'as deux bons decks quand même. J'ai Ah, eu mais du j'ai mal mal à te joué, piquer. j'ai très mal joué. Ah, bah ça. Après, je sais pas. J'ai pas vu les cartes que t'avais dans la main. Donc, je peux pas te dire. Mais bon. C'est le deck Shaman là. C'est un nouveau deck que j'ai construit tout à l'heure. C'est peut-être celui qui va remplacer en fait mon Rogue dans la série. Ouais. Parce que j'en ai marre de certaines. Enfin, des fasts quoi. Parce que là j'ai beaucoup plus de taunts, c'est quand même plus pratique. Après les taunts, ça peut être utile, mais avec certains, tu poses le chevalier noir et puis t'as plus de taunts en main, quoi. Bah attends, À on va en table. discuter. Allez, je dis au revoir aux viewers. Ciao ciao les viewers, Ciao tout ciao le ciao. monde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye.